Il fait un peu frisqué en ce moment. Eh oui, c'est l'hiver. Même dans le sud, il fait froid. Beau, mais froid. Nous avons partagé pas mal de recettes à présent. Difficile de trouver des idées et nous avons encore plein de choses à partager avec vous. Allez, même si les gâteaux et autres gourmandises nous tentent bien, aujourd'hui ce sera une recette salée. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour la pâte brisée, il faudra 75 g de beurre, plus un peu pour le moule, 150 g de farine, plus un peu pour le moule, une pincée de sel, 50 g d'eau. Je beurre et farine un moule à tarte. Dans le bol, je mets la farine, le beurre et le sel. Je mixe 2 à 3 fois, 5 secondes au turbo. J'ajoute l'eau puis mixe 20 secondes vitesse 4. Et encore 5 secondes, sens inverse vitesse 2, ce qui décollera la pâte. Je fonce le fond du moule avec ma pâte, tout en gardant un peu. Et la pique à l'aide d'une fourchette. Je procède à une cuisson à blanc au four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Retrouvez les secrets d'une cuisson à blanc dans la vidéo de la recette tarte aux tomates. Pour la garniture, il faudra 400 g de carottes coupées en morceaux, 3 courgettes coupées en morceaux, 100 g de crème fraîche épaisse, 100 g de lait demi-écrémé, 2 cuillères à soupe de semoule fine, 50 g de gruyère râpée, 1 cuillère à soupe de ciboulette fraîche, 2 pincées de sel et 2 pincées de poivre. Dans le bol, je mixe en 2 fois les carottes et les courgettes, 5 secondes, vitesse 5, et je réserve. Dans le bol, je mets la crème, le lait, la semoule, le gruyère, la ciboulette, le sel, le poivre et mixe 20 secondes sens inverse vitesse 2. Je verse cet appareil sur le fond de tarte pré-cuite et ajoute les légumes. J'étale sur un plan fariné le reste de pâte. J'y découpe des lanières que je place sur ma tarte en les croisant. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. C'est une chouette recette! Oui, on peut servir cette tarte le midi en entrée. Et pour un plat léger du soir, la servir avec une salade verte. Nous adorons passer du temps avec vous. Mais pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.